Nos frères sont débrouillés pour nous imprimer mariage et divorce. Ils ont pu faire 25 exemplaires. Pour ceux qui n'en ont pas du tout là, qu'il a cherché. Le choix d'une épouse également, pour ceux qui n'en ont pas du tout, qu'il a cherché. Prégation pour les jeunes également, il y a 25 exemplaires. Et puis, le problème, le mariage, problème ancien, un exposé du point de vue biblique de Frère Franck, aussi disposé là. Ceux qui n'en ont pas, on a fait un effort pour le tirer, pour que vous puissiez en avoir. Ce qui avait été imprimé également concernant la lettre circulaire de décembre 2011, avril 2020 et décembre 2022, il y a encore les exemplaires qui sont là. Pour ceux qui ne les ont pas, ils peuvent aller les chercher. Frère Yapi, tu viens ici. Sœur Félicité, Cui. Sœur Félicité, Cui. Elle a beaucoup de félicité, vous y précisez bien. Hein? Cuiaya, c'est Cuiaya. Bien sûr, tu te connais mieux. Il fait beaucoup ce débat, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, le frère Yapi a payé la dot samedi passé. J'ai fait exprès pour n'avoir pas annoncé ça dimanche passé. Je suis resté tranquille. Bon, ils vont se marier le 28 décembre. Je précipite tout en même temps. Hein? Donc, on va prier pour le frère Yapi, qui va se marier à la fin de l'année. Il a souhaité que ça se passe au moment de la veillée, pour faire d'une pierre deux coups, pour ne pas avoir deux déplacements. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous te recommandons notre frère et celle qu'il a choisie pour être son épouse. Fais grâce et miséricorde en ces temps. Bénis-les. Bénis cette union. Et que ce soit une union que toi-même tu as scellée depuis le ciel. Afin que tout se passe selon ton bon plaisir et selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est un vieux frère, vous le savez. C'est fini. Frère, puis voilà pourquoi tu t'es dit. Il ne voulait pas venir. Hein? Il voulait que moi j'annonce. Il dit, moi je ne vais pas annoncer. Ça, ce n'est pas là. Que Dieu nous bénisse. J'avais promis que je vous lirai. Je vous ai parlé de ce que beaucoup de personnes se sont déplacées pour aller vivre à Tucson auprès de Frère Branham. Et que j'allais vous lire les éléments concernant ça pour que vous sachiez combien de fois souvent on est très fanatique. Mais avant, je vais lire deux choses auparavant. Ceux qui ont la vision de Patmos, je ne sais pas si, je n'ai pas de la théorie, mais ce n'est pas bien grave. J'ai lu le paragraphe 205 et 206. Vous savez, derrière ce que je vous lis, c'est pour notre propre gouverne. C'est pour que nous tenions compte de ça et que nous marchions avec. La fois dernière, je vous ai dit que après les âges de l'Église, l'ange est descendu lui-même pour redessiner les âges, l'un après l'autre au mur, avec toutes les caractéristiques, pour que l'on sache que ce n'est pas de la volonté même de Frère Branham que ces choses ont été prêchées. C'est par révélation que Dieu lui a donné. Et le Seigneur a confirmé lui-même, parce qu'en descendant, pour redessiner les choses exactement comme Frère Branham l'a dessiné. Pour nous permettre de comprendre que c'est important ce que nous avons en main. Je dirais, il y a, peut-être j'ai parlé de trois. On parle des âges de l'Église où l'ange a confirmé. Des sceaux avec ce grand nuage. Le mariage divorce également. Où le Seigneur est apparu lui-même pour donner les indications. Pour nous permettre de savoir que frère, en cette fin des temps,
Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Et il a mis des choses précieuses dans nos mains. Des choses surnaturelles ont été produites pour que dans cet âge scientifique-là, on puisse mettre nos cœurs, notre foi et notre âme entre les mains du Seigneur. Alors dans Vision de Patmos, je lis le verset, le paragraphe 205 et 206. Mais en réalité, c'est le paragraphe 206 qui est le plus important. En regardant, que ressentirez-vous lorsque, après avoir assisté à des réunions, vous avez entendu qu'il fallait se mettre en ordre avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit, ou vous avez entendu annoncer les jugements de Dieu, vous aurez refusé tout cela. Vous n'êtes plus qu'une âme à la dérive. La grande cataracte est devant vous, prête à vous engloutir dans le jugement éternel. C'est lourd, hein? Voilà ce qui est réservé à ceux qui, après avoir suivi les réunions, écouté la prédication, et qu'on les invite à se mettre en ordre avec Dieu et le Saint-Esprit, qui ne le font pas. Ce qui les attend, c'est une dérive complètement. Et personne ne pourra rien faire pour quoi que ce soit. Dimanche passé, j'ai posé la question, mes frères, est-ce que nous aimons son avènement? On a levé la main. Une chose de lever la main, une chose est d'accomplir les éléments qui permettent de dire que moi j'aime l'avènement du Seigneur et que je soupire après son avènement. Et que je veux marcher de manière à le voir venir et participer. Le paragraphe 206. La voix des grandes eaux est ce qui le personnifie en quatrième lieu. La voix de grandes eaux. Comment ferez-vous lorsque vous entendrez cette voix dans la gloire, cette voix qui est enregistrée ce soir? En d'autres termes, quand vous écoutez les prédications de Frère Branham, ces bancs sont enregistrés. Ce jour-là, dans la gloire, qu'est-ce que vous feriez? Comment ferez-vous lorsque vous entendrez cette voix dans la gloire, cette voix qui est enregistrée ce soir? Votre voix aussi est enregistrée. Votre voix aussi est enregistrée. Votre voix, même ma voix aujourd'hui là, elle est enregistrée. Ce que vous dites dans vos maisons, dans les rues, au marché, partout est enregistré. Vos pensées sont enregistrées. Un homme est selon ce qu'il pense dans son cœur. Et nous savons que c'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Donc rien n'est caché devant lui. Vous n'ignorez pas que vos pensées parlent plus fort dans le ciel que votre voix sur la terre. On en a parlé déjà, non? Que l'un avait dit à Frère Branham de dire aux gens que nos voix, nos pensées parlent plus fort au ciel que nos voix, nos actes sur la terre. Donc veillons sur nos pensées. Veillons sur ce qui sort de nos bouches, frères et sœurs. C'est très important. Car la Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. C'est écrit Matthieu. Au jour du jugement, là, chacun de nous répondra de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Ce qui veut dire que tout ce qui a été enregistré là nous attend. C'est certain. Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur. Il sait tout à ce sujet. Nous devons prendre garde, bien-aimés. Le temps est arrivé où nous devons être purs, purs vraiment en toutes choses. Nous devons marcher dans la sainteté parce que tout ce qui se passe est enregistré et nous attend. Et ça, c'est important. Si on néglige ces choses, on ne va pas s'étonner parce que c'est enregistré dans le grand disque de Dieu.
C'est enregistré. Et ça nous attend. Que Dieu nous bénisse. Et hier soir, je lisais la parole parlée. Non, Christ est révélé dans sa propre parole. Et puis je suis tombé sur un passage que j'avais souligné depuis longtemps. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas pour moi-même, pour que je mette en ordre un certain nombre de choses? Mais j'ai trouvé aussi bon de pouvoir le lire avec vous. Ça, c'est Christ est révélé dans sa propre parole. Excusez-moi, le frère Bouti a vu un billet de 1000 francs derrière là-bas. Si quelqu'un a perdu un billet de 1000 francs, il vient le chercher. Voilà le billet de 1000 francs. Je donne ça au frère Bouti. Si ce n'est pas pour toi, il faut venir chercher. Hein. Tout à l'heure, on a dit, on a parlé de quoi? On a lu quoi tout à l'heure? Tout enregistré. C'est où tu es? Tu vas au paragraphe 14. Sinon, on peut commencer déjà. Attendez que je vois. On prend à partir de le paragraphe 13. Prenons à partir de le paragraphe 13. Voilà. Je me souviens qu'une fois, alors que j'étais jeune, j'étais malade. Et je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ 2 000 $. C'est comme si on nous disait qu'on est sorti avec 200 000 ou 2 millions de francs CFA de dette de l'hôpital. Et il y avait là un pharmacien, M. Soigneur, à qui je devais ou 300 dollars ou une note de médicaments. Il ne me connaissait même pas. Je suis allé vers lui. Or, je ne le connaissais pas. Et il m'a simplement envoyé ses médicaments. Jamais il m'a refusé de les envoyer. Et j'ai dit, j'ai une dette envers vous. Je crois qu'en fait, ce n'était pas lui, ce n'était pas Soigneur, mais ses maçons qui se trouvaient au croisement des rues, Court et Spring. Et j'ai dit, j'ai une dette envers vous. Je suis encore tellement faible, mais je vais essayer d'aller travailler. Maintenant, si je n'arrive pas à vous payer, je venais de devenir chrétien. Je venais de devenir chrétien et je dis, tout d'abord, monsieur Masson, j'ai un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je vais d'abord lui payer ma dîme. Ensuite, mon deuxième devoir sera de payer mes dettes. Seulement, mon père est malade et nous sommes 10 enfants dans la famille. Je ne pourrai pas vous payer plus de 25 cents. Quand je vais amener ça à franc CFA. Je dois 200 000 et je ne peux payer que 25 francs par période. Ça fait quelque chose, non? Vous voyez, je lui dois de l'argent, je lui dois 200 000, mais je ne peux pas payer le 25 francs. Je donne ça comme ça, vous voyez la différence. Je vais payer 25 cents à chaque paye. Et s'il arrivait que je ne puisse même pas vous payer ces 25 cents, je viendrai vers vous pour vous dire que cette fois-ci, je n'y arrive pas. Mais avec l'aide de Dieu, je l'ai payé en entier. Amen. Mais avec l'aide de Dieu, après cet engagement, il a tout payé. Vous voyez? Maintenant, c'est cela que je veux dire. Oh, il y a un chrétien de l'église ici qui est allé une fois effectuer des travaux sur une voiture. Il a dit, je vais vous payer. Je reçois ma paye le samedi ou quelque chose comme cela. Il n'a jamais payé.
Il ne l'a jamais payé. Les semaines passaient et jamais il ne l'a payé. Jamais il a dit un mot à ce sujet. Et l'homme est venu vers moi me demander. Vous voyez, c'est un mauvais témoignage contre l'Église. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Levez bien la main si vous n'avez pas compris. C'est un croyant qui doit de l'argent. On a fait son travail et il a promis de payer et jamais n'a payé. Et celui à qui on doit de l'argent est parti voir Frère Branham pour lui dire, mais tu as un membre de l'église là qui est là, qui me doit de l'argent et ne paye pas. Il dit, et l'homme est venu vers moi me demander. Vous voyez, c'est un mauvais témoignage contre l'église. C'est un mauvais témoignage contre Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez lui dire, j'ai une dette envers vous et je vais vous payer. Je suis chrétien, mais je n'arrive pas à le faire pour le moment. Je vous le dois, je vous dois cela. Et souvenez-vous que c'est ainsi, c'est aussi inscrit sur les livres de Dieu. Je ne sais pas si vous, si vous voyez où je vous envoie maintenant. Ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Hein? C'est hier soir, je lisais et je suis tombé dessus. Et j'ai vu, j'avais souligné ça avant. Et j'ai dit, mais moi aussi, il y a des choses à régler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont c'est des chrétiens qui m'ont pris beaucoup d'argent, ils ont disparu. Mais ici, ce que nous devons reconnaître, sachez que c'est inscrit dans les livres de Dieu, ça nous attend. Il continue, moi-même j'ai essayé d'être prêt. Et tous ensemble nous essayons d'être prêts, car nous savons que nous nous approchons de quelque chose qui va se passer. Nous voulons donc être prêts. La venue du Seigneur est maintenant tellement proche que nous voulons être prêts pour cette heure glorieuse. Amen. Je continue. Je vais maintenant me préparer à parler. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a dit? J'ai lu ça plus tôt. J'avais fait référence plus haut. Ah. Je n'ai pas pris ça au bon moment. Retourne au paragraphe 12. Il y a un élément qui va être important pour nous. Voilà. Maintenant, je vois qu'il y a ici beaucoup de requêtes au sujet de ce que j'ai dit dimanche dernier. J'ai oublié quel était le titre du message, mais j'ai dit quelque chose au sujet du paiement de vos dettes. Et vous savez, tout ce que vous pouvez dire est souvent compris de travers par beaucoup de gens. Ce n'est pas qu'ils le font exprès, mais ils ne comprennent tout. Simplement pas. Ainsi, quelqu'un a dit, est-ce qu'on ne peut pas acheter une voiture? Mais ce n'est pas de cela que Jésus parlait ici dans la Bible. Lorsqu'il dit, ne devez rien à personne. Il s'agit de dettes qui traînent et que vous pourriez payer. Payez-les. C'est cela. Ne rien devoir à personne. Je lis tellement mal ce matin, mais est-ce que vous me comprenez? Cela ne veut pas dire, évidemment, que nous devons notre loyer, notre téléphone et tout le reste. Nous devons ces choses et nous les payons. Mais s'il s'agit d'une vieille dette qui traîne et que vous ne pourriez pas payer, alors payez-la. Vous voyez, ne laisse pas en suspens ce genre de choses. Parce que c'est inscrit dans le livre de Dieu, ça nous attend. Quand nous avons la pression de payer, que nous ne payons pas, nous nous laissons traîner, cela va se retourner contre nous un matin. Et si nous ne le faisons pas et que subitement quelque chose arrive, ça sera assez dramatique. Que Dieu nous aide. Qui connaît la sœur Hélène? Il y a une sœur qui s'appelait Hélène. Je n'ai pas sa photo. Son mari s'appelle Kwaku Mesquin.
Elle est décédée ce matin. Je n'ai pas vite été informé. Je me disais que ce soir après la réunion, j'allais me rendre chez eux. C'est la femme du frère Fico qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle souffrait de cancer, qu'elle est en phase terminale. J'avais prié, je les ai appelés, mais elle ne parlait plus. Donc pour qu'elle mange, c'était très difficile. J'ai prié avec eux. Toute la semaine, je me suis organisé pour pouvoir aller, je n'ai pas réussi. J'ai dit, bon, après la réunion de ce soir, de cet après-midi, j'allais prendre Badou qu'on aille. On allait prendre de l'huile d'olive pour aller faire une onction de les prier. Et là, tout à l'heure, je regarde, son mari m'a envoyé un message vocal pour dire que ce matin, elle est partie. Donc, ceux qui peuvent, on va le laisser, on va aller saluer son mari. Je pense que toi, c'est à côté d'eux, mais il fallait nous dire qu'elle est malade. Hein, tu n'as pas dit. Pourtant, vous étiez toujours ensemble. Que Dieu se souvienne d'elle et tout. Maintenant, je vous lis ce que je vous avais promis, que le fanatisme a poussé certains à aller s'asseoir à Tucson pour montrer comment. Parce que le jour quand j'ai lu ça, j'ai dit ça là. Les gens disent, oui, je ne peux pas vous dire une chose que je ne peux pas prouver. C'est certainement long, mais je vais couper simplement pour voir. Voilà la première question. Frère Branham, il est jamais cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ce jour. Est-ce exact? Non, monsieur. Dites-le nous clairement. Frère Branham, vous semblez hésiter à vous faire connaître. Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que Dieu vous a donné, vous devriez être identifié quelque part par les Écritures. Vous nous aviez dit dans quel but vous alliez en Arizona la première fois. Vous nous avez dit pourquoi. Et la chose est arrivée. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes retourné. Premièrement, je ne suis pas le Messie. Vous voyez, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des messiettes, chacun de nous. Messie signifie celui qui est oint. Et en lui habitait, en Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. À moi habite seulement une partie de son esprit. Comme celui qui habite en vous, j'ai reçu un don qui me permet de connaître de petites choses et de voir des choses d'avance. Ça ne fait pourtant de moi que votre frère. Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois? Ça, vous l'avez compris. Je suis allé au nom du Seigneur parce que j'ai été envoyé là-bas à la suite d'une vision. Je suis retourné la deuxième fois dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi je suis allé. Je ne peux pas tout le dire. Le diable le sait, ne le sait pas. Il ne peut pas le tirer de mon cœur. Si je le dis à haute voix, alors il peut s'en emparer. Il peut s'emparer de ça. Il ne peut pas s'emparer quand c'est dans mon cœur. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ça là? Pour nous-mêmes aussi. Pour nous-mêmes aussi. Sachant que si des choses importantes qui nous concernent ne sont pas dites, l'ennemi ne peut pas s'en emparer. Si on le garde dans nos cœurs. Par contre, une fois que c'est dit, sachant que c'est ouvert, alors l'ennemi peut s'en emparer.
Frère Branham, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre tout. Peut-être que je ferais mieux de la... Il va laisser tomber, mais il n'a pas laissé tomber. Hein. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur maison et de vous suivre en Arizona. Sinon, ils ne seraient pas dans l'enlèvement. Est-ce vrai? Frère, vous voyez, non? La Bible que vous dites, vous lisez là. Il y en a qui l'ont même vu, mais ils ne comprennent pas parce que Frère Benham est là et il pense que c'est avec lui seulement. C'est la même chose que c'est reporté sur le Frère Franck. Hein? Quelque chose comme ça. Il y en a qui pensaient que le Frère Franck va être enlevé avec tout le monde, donc il faut s'accrocher à lui et puis défendre. Mais Dieu fait bien des choses pour mettre la confusion dans le camp de ceux qui pensent être très spirituels. Est-ce vrai? Voilà ce qu'il répond. C'est un mensonge. Et puis continuez. Devions-nous vendre nos maisons? Ou avez-vous même dit ceci? Non, monsieur. Je ne l'ai pas dit. Même que si je le fais, je fais quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Je saute, je vais dans les grandes conférences. Il dit, Frère Junior a fait un songe. Et il m'a vu partir vers l'ouest, dans ce songe, vers le soleil couchant, en passant dessus montagne sur montagne. Puis, très vite, en devenant bon. Puis, je suis retourné. En fait, le frère fait un songe. Dans le songe, les frères sont retrouvés. Et Frère Branham était sur une montagne, ils ne sont pas allés le trouver. Il a décapé la montagne. Et dedans, c'était de granit blanc. Il dit au frère de rester pour suivre, de lire. Et en tout temps, il s'est éclipsé par terre vers l'ouest. Au lieu que les frères, ils restent là, ils ne sont pas restés. Chacun est dans sa direction. Et aujourd'hui, après le départ de Frère Branham, c'est pour ça qu'on a beaucoup de directions là-dedans. Puis, ils se sont retournés pour regarder. Ils ont vu que j'étais parti. Un grand nombre d'entre eux ont pris cette direction-là. Ils voulaient aller vers ici, vers là. Après que je leur avais dit de rester là, rester là, rester ici même. L'endroit, c'est ici. Et alors, après avoir fait ça, alors je suis parti exactement comme ça. Et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'est apparu pour me dire, va là-bas en Arizona, j'ai entendu un bruit de cette explosion. Je suis allé là-bas. Et qu'est-ce que c'était? Le son de ce frère était tout à fait exact. Et le Seigneur a donné exactement. Souvenez-vous, j'avais dit, je vais là-bas pour être dans un but. Et quand je suis allé là-bas, c'était le mystère de cette sceau qui était scellé à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis revenu aussitôt avec l'ouverture de cette sceau. Et puis il dit, non, vous ne devez pas faire ça. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire. Oh, peu m'importe où vous allez maintenant. Mais si vous faites ça juste parce que vous pensez que l'épouse partira de là, vous vous trompez. Ceux qui pensent que où le frère madame sera là, c'est après de là que l'épouse va sortir, c'est faux. L'enlèvement, c'est vrai. Où devons-nous vendre nos maisons? J'ai toujours conseillé aux gens de rester là où ils sont et de continuer à aller de l'avant et ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous l'ai quand même dit bien de fois, mais que cette bande serve de mémorial, que ce jour serve de mémorial, que ma parole serve de mémorial. Je n'ai jamais, en aucun moment, jamais dit à qui que ce soit, jamais faire des prosélytes, jamais chercher à pousser quelqu'un à venir à l'église ici. Jamais. Si quelqu'un dit, eh bien, je vais aller là-bas, je vais aller vivre, allez où vous voudriez, c'est en ordre, peu importe où vous allez, ce n'est pas mon affaire. Peut-être que je lis ça aussi, puis après, il y en a tellement, où je peux même lire les questions, et vous verrez bien l'esprit qui existe.
Il dit ici, bien-aimé, eh bien, nous avons suivi frère Branham jusqu'ici. Je suis tout ce qu'il y a de plus innocent de la chose. Ces chers et braves gens, ils savent que je les aime, malgré qu'ils soient dans l'erreur. Eh bien, je les aime quand même. Je les aime, ce sont mes enfants, mais ils ne veulent tout simplement pas m'écouter. Écoutez ce que j'essaie de leur dire. J'essaie de mener à bien quelque chose au nom du Seigneur et ils ne veulent pas me laisser faire. À vrai dire, ils sont plutôt contre moi que pour moi. Quand on dit de faire une chose et qu'on ne le fait pas, on fait le contraire, c'est que on n'aime pas la personne avec laquelle nous marchons. J'ai également entendu parler d'un enseignement qui circule à propos d'un livre que vous avez écrit il y a plusieurs années qui traite du pain de vie. L'interprétation de cela, c'est que nous devons tous être avec vous, sans quoi nous manquerons l'enlèvement. La question, c'est une non. Hein. J'ai une autre question. Aussi au sujet des familles qui ont tout vendu et sont allées s'installer à Sierra Vista, en Arizona, ayant interprété par l'une de vos bandes intitulée « Une minute, petite Bethléem », que l'enlèvement se produirait en Arizona, leur avez-vous conseillé d'aller là-bas? Absolument pas. Quand ils m'ont écrit une lettre à ce sujet, quelqu'un ici, dans le Connecticut, ou quelque part comme ça, j'ai répondu à cette lettre en disant, vous êtes en train de faire la pire gaffe que vous ayez jamais faite dans votre vie. N'allez pas faire une telle chose. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire cela. Bon, vous le savez tous, que je ne dis pas à ces gens de faire ça. Je leur dis de ne pas le faire. Mais vous voyez, il faut que ces choses suivent les réunions. Pourquoi les gens m'appellent-ils Messie? Ils s'emballent. Eh bien, un homme là-bas l'autre jour, il me démontrait, il avait une petite chose, il s'emballait, il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Ça ferait de moi un antichrist. Oh, je ne suis pas pour ces choses-là. Et vous aussi, vous le savez tous. Mais vous voyez, il le faut quand même. Maintenant, frère Branham, y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Ces gens déclarent croire que chaque parole que vous dites est la vérité. S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Claire, oui ou non, à propos de ces choses. Et si c'est vrai, nous voulons nous préparer pour aller rejoindre les autres là-bas. Les autres, je vous remercie beaucoup des réponses que vous donnerez à ces questions et que j'attends. Je m'attends à entendre ce dimanche, si le Seigneur te tarde. On pourrait continuer jusqu'à là, mais vous voyez déjà, de son vivant même, les gens pensaient que ça n'était à ses côtés, qu'on va bien partir à l'enlèvement. On oublie même que c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on se laisse préparer. Les gens oublient beaucoup de choses, hein, frère. Parce qu'ils ont vu tellement de choses grandioses qui ont été faites, et de là, ils tirent des conclusions. Même il y en a qui ont dit, mais Frère Branham a dit que à 2400 kilomètres, d'environ Tucson, ceux qui sont en dehors des 2400 kilomètres ne vont pas aller d'enlèvement. Alors que quand ils parlaient de la belle fille de l'épouse, c'est pas de ça que les questions. Ils ont cité dedans pour dire c'est de ça que tu. Il leur a dit non, c'est faux. C'est le lieu où Abraham, Jacob, Isaac sont morts là, où Jésus même est mort là. C'est ce lieu-là qui est le lieu principal. Quand on parle de la demeure fille de l'épouse, là, c'est pas par rapport à l'enlèvement. L'enlèvement, tous ceux qui sont morts depuis Paul, jusqu'à. Ils sont épapés partout. Il y en a qui ont été
Et on en parle, on va en parler tout à l'heure. Il y en a qui ont été déchiquetés par les lions. Il y en a qui ont été combattus, brûlés vifs et tout. Ces personnes-là, où on va trouver leur corps? On va les ramener tous à Tucson? Non. Ils ont le Saint-Esprit et là, ils sont tombés. Là, ils restent jusqu'à l'enlèvement arrive. Que Dieu vous bénisse. Cela, je lis ces choses pour vous permettre de voir que. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fanatisme du vent de Frère Branham. Et ce même fanatisme-là s'est reporté là, au jour de Frère Franck. Et aujourd'hui, on voit bien les fruits. Heureusement que je pense, je ne suis pas sur Facebook, c'est vrai, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de bavardage maintenant. Comme je disais dimanche passé, il n'y a plus personne à qui il faut poser des questions. Dieu sait toutes choses. Et Dieu fait des choses bonnes pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui restent calés sur la parole de Dieu, tout ce qui arrive est bon. Ça sert à l'édification, ça sert à être sage, ça sert à être modéré et sobre. Parce que si notre situation n'arrive pas, il y a trop, trop de débordements. Aujourd'hui, comme je le disais avant, on va commencer à chercher les vrais serviteurs de Dieu. Même quand on demande à certains de venir prêcher, on dit non, je ne prêche plus. Déjà, il y en a qui ont dit, avec les retransmissions, que ceux qui avaient à prêcher ont fini de prêcher, maintenant ils n'ont plus rien à prêcher, ils n'ont qu'à recruter les retransmissions. Foutaise! Il y en a qui disent que moi j'ai dit que Frère Branham, avec la mort de Frère Franck, on ne doit plus rien écouter de Frère Franck. Mais si c'est le cas, on ne doit même plus lire la Bible. C'est Paul aussi est mort. Pierre aussi est mort. Jean aussi est mort. Tous les prophètes sont morts. Où est les âneries? C'est grave. Alors qu'ici, il fait écouter. Je vais écouter où j'ai lu les lettres circulaires. C'est pas la même chose? Non, que Dieu nous aide. C'est dimanche passé, j'ai cru bon traiter rapidement les sceaux, les âges, et puis comment je peux appeler ça? Joël 1,4, l'arbre, la restitution de l'arbre de l'épouse, non? C'est ça, non? Certains frères, certains soeurs ont demandé que c'est trop rapide. Mon souci, ce n'était pas de traiter les sceaux, les âges, mais de faire voir le lien qui existe entre les éléments pour voir comment nous devons marcher. C'est ça, non? Mais on me disait que c'était trop rapide. Il faut voir les sceaux, les âges, et puis avoir de faire la combinaison. Ça va? Donc, je suis obligé de reprendre d'abord les âges, les sceaux. Et puis ensuite, faire la combinaison pour permettre de voir exactement comment c'est. Mais je ne vais pas encore traîner là-dessus. Je vais aller à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères de voir comment est-ce qu'on peut imprimer ces brochures-là. Parce que nous, on les avons. Je ne suis pas certain que ceux qui sont arrivés il y a 10, 15 ans, 15 ans, 10 ans pour arriver ici-là, ont même ces brochures. Peut-être vous allez un peu rire. N'est-ce pas le lieu de faire rire? Même quand nous, on était dans les années 94-95, moi, des frères venaient prendre mes brochures, mes lettres circulaires, parce que j'ai une manière de lire. Quand je lis quelque chose, je note les références des autres éléments que j'ai lus pour que quand tu prends ça, tu peux aller plusieurs lettres circulaires, plusieurs brochures pour avoir la même pensée, pour avoir la pensée qui est développée. C'est pour ça que vous voyez, si vous me voyez avec ça, c'est les âges de l'Église. J'ai tout réuni. Donc, si tu veux me donner les âges de l'Église, je ne peux pas te donner ça parce que j'ai tout ici. Mais dans âge de fer, je ne peux pas te donner ça. C'est ce qui m'a obligé à faire les relus de toutes mes lettres circulaires, de mes brochures, l'application. J'ai tout relié. Jusqu'au dernier, j'ai tout relié. Au moins pour que ça reste.
et que de temps en temps, je suis en train de les gens dedans et tout. Donc, on va se lever ensemble. Et je n'ai pas oublié. Attendez, c'est vous. Frère Trou, viens. Viens. Pourquoi c'est ici? Celui-là, je l'ai rencontré à Paris. Quand? La première fois. Il dit, il n'a pas la mémoire. En octobre 1996, lors de mon premier voyage à Paris. Et j'ai passé le temps chez le frère Jean-Marie Ndimba. Et quand j'ai fini, c'est lui qui m'a ramené à l'aéroport. C'est de lui que je vous parlais, il a failli nous envoyer à Marseille là. C'est de lui, frère, j'entre où? C'est un Ivoirien. Il est toujours à Paris. Il est venu pour les décès. Et il m'a appelé. Hein, de son petit frère. Il ne m'a même pas dit que son petit frère est décédé. Bon, il est mort auparavant, on l'a enterré. Il est venu faire les funérailles. Et donc, il m'a appelé. Je lui ai dit, bon, on va aller le chercher. Quand je vais à Paris, bon, je descends chez eux. Et ils ne sont pas à Paris. Hein. Souvent, les gens ne parlent de Paris, l'église de Paris là. Maintenant, vous posez une question. Frère, est-ce qu'il y a une église à Paris, du message à Paris? Oui, il y a une église à Paris. Laquelle, comment ça s'appelle? Dans les 9, dans les 20. Dans les arrondissements. Dans les... Oui, il y a une église à Paris, mais je ne connais pas le nom. Bon, donc, tu vois déjà, donc? Oui, je ne connais pas le nom, je ne peux pas mentir. Voilà. Il ne connaît pas le nom, là, je ne peux pas mentir. L'église de Didier, là, ça se trouve à Paris? L'église de Didier. Oui. Est-ce que ça se trouve à Paris? Je ne peux pas te dire exactement ça. Ah. Ouais, ils disent que c'est l'église de Paris. Oui, non, ils disent que c'est l'église de Paris, mais oui. N'est pas situé à Paris. Voilà. Ils sont dans le 92e. Je pense. Donc, il n'y a pas d'église du message dans les arrondissements là. Le vrai adjoint, il n'y en a pas. Non. Et même là, ils sont à Livry-Gaga. Ils sont à Livry-Gaga. Ils ne sont pas à Paris. Ils sont à Livry-Gaga. Vous êtes dans le 93e. Oui. 93e. Oui. Tout ce qui n'est pas 75 n'est pas Paris. Oui. Sont où vous partez à Paris, en France. Quand on vous dit aller à l'église, on vous donne l'adresse qui n'est pas 75, c'est pas Paris. Non, c'est la banlieue. C'est la banlieue parisienne. Oui. Oui. C'est comme quelqu'un dit, je suis à Dabou. Je suis à Niama. Oui. Je suis à Siguenzi. Il n'est pas à Paris. Non. Il a Benjamin, il n'est pas à Paris. Il n'est pas à Bidjan. Il est même à Bassam, il n'est pas d'Abidjan. Non. Ça, j'aime le dire, le redire. Donc, c'est lui. Et la nuit, là, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, on a voyagé. M'a donné, on avait envie, excusez-moi, de pisser. C'était très chaud. Comment on fait? Il y a des gros camions qui étaient arrêtés là, mon cher. On est parti se soigner. Dès qu'on a fait la police. Et heureusement qu'ils ne nous ont pas vus. On a pris nos voitures et on est parti. Il était 2h du matin. Et je devais être à l'aéroport à 7h30 pour prendre mon avion. C'est là qu'il m'a accompagné. Et je lui ai posé une question qui l'a dérouté. Il a voulu prendre la route pour aller à Marseille. Il dit, frère, pourquoi tu peux m'envoyer à Marseille? Il se souvient de ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, il me reprochait même de conduire avec une seule main. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il est avec les frères qui sont à Livry-Gargan. La fois dernière, David est passé, voilà, David est parti en France. C'est faux? Tu es parti à Paris, non? Alors, tu as cherché l'église de Paris, non? Quelle adresse on t'a donné, l'église de Paris, là? Comment? 94. Ils sont dans le 94. Ils ne sont pas dans 115. Je dis, si quelqu'un veut, là, on perd le billet d'avion, on va à Paris, on va chercher. Pas ta soeur, t'es prends le billet d'avion, on s'en va nous deux à Paris. On va passer premier arrondissement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à combien? Je sais. On va parcourir. Moi, j'ai eu la chance, je vous dis, j'ai eu la chance de dormir dans des hôtels qui sont dans les différents arrondissements. Par la grâce de Dieu. J'ai le privilège, je dis,
et de faire des réunions, même dans les plus gros arrondissements. Donc, qu'on ne voulait pas vous blaguer. Comme David a dit, papa, mais papa Badi avait raison alors. Je demande l'adresse de l'église de Paris. Il n'est pas en me donnant le 94e. C'est pas dans le 75e. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'église à Paris, on m'a traité de menteur. Mais que Dieu pardonne aux gens. Ça sert à quoi de vous raconter une histoire et puis elle vient chez moi pour dire Seigneur, pardonne-moi. Ça me sert à quoi de vous nous raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Bienvenue Seigneur, j'ai menti, il faut me pardonner. Ou bien Dieu va me pardonner, il ne pardonnera pas. C'est comme quelqu'un qui pêche contre un frère, contre une soeur, au lieu d'aller demander pardon à la soeur ou au frère, et puis il va dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre mon frère. Mais ce n'est pas contre Dieu, tu as péché, c'est contre ton frère. Ou contre ta soeur. Va mettre de l'eau d'abord, va mettre de l'eau d'abord ou d'abord. Si tu n'as pas mis de l'eau là, ton pardon que tu demandes n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Malheureusement, on pêche contre des frères, on ne demande jamais pardon. Et on croit qu'on a un ordre par le ciel. On croit hein, qu'on est un ordre par le ciel. On croit qu'on est un ordre par le ciel. Malheureusement. Frère, tout à l'heure, on a lu une chose. Nos pensées sont enregistrées. Nos pensées parlent plus fort au ciel que nos voix, que nos actes sur la terre. Dans ce cas-là, frère, faisons très attention. Faisons très attention. On a lu dimanche passé que Dieu nous aide afin que nous soyons humbles en toute chose qui n'est pas de malice dans nos cœurs. Frère, c'est grave quand on est malicieux. C'est très grave. Le temps avancé, il est déjà 11 heures. Donc on va, comme les frères ont demandé, je vais prendre le temps, on s'est levé, non? On se lève pour prier. Et puis on va faire les agères rapidement. On ne va pas courir, mais on va le faire rapidement, en donnant les éléments essentiels pour permettre à tous ceux qui sont jeunes. Vous savez, il y a une sœur qui, la première fois, est venue à l'église d'Abidjan, et Pougon. Et c'est ce jour-là que le frère Isaac a parlé sur les actes de l'église. Elle n'avait jamais entendu parler dans son église, nulle part. Elle a dit, mais il y a quelque chose de différent ici. Elle voit que c'est écrit dans la Bible, mais on n'en a jamais parlé. Alors elle est restée pour voir la suite. Et à la suite des autres prédications qui sont venues, à toi, elle nous écoute. Hein. Je peux même vous dire son nom. Ça lui a permis de rester et elle a prié pour voir si vraiment nous étions dans la vérité. Le Seigneur a répondu à plusieurs reprises à sa prière qu'elle arrivait au bon endroit parce que la vérité était prêchée. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui as voulu accepter de révéler ces choses qui ont été écrites par Jean en symbole. Des choses précieuses pour nous, pour notre instruction, pour notre préparation. Tu as bien voulu le donner à ton serviteur pour nous. Et voilà pourquoi nous pouvons, Seigneur, aujourd'hui, plonger nos regards dans ces choses précieuses qui sont restées longtemps, tous les ans, tous les âges, inconnues. Mais à ces derniers temps, tu l'as révélé à tes enfants. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Certains voulons plonger souvent nos regards dedans, mais pour voir comment l'Église a évolué jusqu'à notre temps. Comment l'ennemi a voulu semer ce qui est des troubles. Comment l'ennemi a voulu, Seigneur, anéantir complètement ton œuvre, oubliant que c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Et que ce que ta main bénit est béni. Merci Père. Ouvre notre entendement, notre intelligence, et que nous recevons pleinement et entièrement ce que tu as donné. Que le contenu reste dans nos cœurs. Comme tu as dit autrefois, que cette parole-là soit inscrite sur la table de nos mains et nos cœurs pour la méditer tous les jours.
pour ne pas pécher contre toi. Bénis-nous ce matin. Sois présent. Notre Dieu, console tous les frères et les sœurs qui sont éplorés. Tu vois, tout à l'heure, nous parlions du départ de notre sœur Hélène. Ô notre Dieu, qui a souffert de ce cancer jusqu'à la mort. Bénis son foyer qu'elle a laissé, bénis les enfants qu'elle a laissés. Sois le père de ses orphelins. Console les cœurs brisés, ô notre Dieu. Nous remettons tout en tes mains. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous avons rendu le témoignage de l'enfant de Anissé qui est guéri. C'est une grâce quand tu vois qu'on a fait des ponctions dans le poumon de cet enfant. Un bébé fait des ponctions. L'ennemi est tellement méchant qu'il n'est pas une personne. Même des enfants nés qui n'ont pas encore péché, qui ne connaissent rien de mal, ils s'en prennent leur vie. Mais tu es là pour nous sauver. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Or, tu sais ce que nous demandons depuis un certain temps, le Saint-Esprit pour tes enfants. Seigneur, souviens-toi de nous. Déverse et répand sur nous la promesse du Père. Ô Jésus, quand nous lisons ces âges-là, nous nous rendons compte que Père, si ton esprit n'était pas là, tout ce qui arrivait à ces croyants n'allait pas pouvoir le supporter. C'est tellement horrible, tellement difficile. Mais tu vois, ils sont passés par là simplement pour que la parole nous parvienne. Gloire et honneur à toi. Ils ont tenu ferme à la vérité. Ils ont porté la vérité. Ils ont laissé des traces sur le sable du temps pour que nous aussi nous puissions voir ce qui s'est passé et marcher en conséquence. Bénis-nous ce matin et fortifie-nous. Instruis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Quand les frères et les quelques soeurs m'en ont parlé, pour revenir, frère, je vous dis une chose. Souvent, quand on lit ou on écoute les brochures de Frère Branham, on voit qu'il fait la chasse ici, il fait la chasse là. On dit les patins à la chasse. Longtemps, on parle de la chasse, on parle de la pêche, on parle de la chasse. Mais quand j'ai vu les volumes que cet homme a lus, j'ai dit, quel temps il a? Et puis, hier, je lisais quelque chose où on disait que Billy Graham était tellement fatigué qu'il est parti se faire consulter, il est parti consulter les médecins. C'est là que j'ai fait deux, un paragraphe bien. Et on lui a dit ce qu'il doit faire là. Chaque matin, il doit faire 1,5 km de marche pour le mettre en forme. On a fait toutes les analyses. Il n'y a pas de maladie à rien, mais il est épuisé pour rien faire. Et pour qu'il soit en forme, on dit qu'il faut aller marcher 1,5 km chaque matin. Ça ne vous surprend pas? Quelqu'un qui est fatigué, on doit lui dire se reposer. On dit non. Tu prêches, c'est vrai, tu fais tout. Mais chaque matin, il faut faire 1,5 km. Ça te mettra en forme. On ne peut pas te prendre des médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour toi. Tu es fatigué, mais le seul moyen que tu as pour te remettre, c'est ça. Et j'ai compris pourquoi notre bien-aimé Frère Branham était très en forme, parce qu'il va chasser dans les montagnes. Et ça marche, ça fait plusieurs kilomètres que les gens parcourent. Et oui, c'est ma femme qui m'a envoyé quelque chose pour dire, nous les humains là, toutes nos, les veines, les ceci, les nerfs, on dit, j'ai ma nerf, non, tout ce qu'on a, 50% des nerfs de l'homme se trouvent dans ses pieds. 50%. C'est pour ça que quand un pied est malade, c'est tout le corps qui est malade. Parce que quelqu'un qui ne marche pas, il se précipite lui-même dans le gouffre de la maladie. Et nous sommes tellement habitués à être dans la voiture que même pour faire 500 mètres, quand on voit un frère, s'il te plaît, tu peux me prendre une voiture? Moi, c'est vrai, bon, ici, au bureau, ça fait à peu près 1 km 120 ou 1 km 200 de ma maison au bureau là. Alors, les enfants ont dit, mais Pépé, il a la voiture à la maison et puis il marche pas le travail. Pourquoi il marche même? Je leur ai dit, c'est pas santé. C'est ma santé, je marche pour la santé. Que Dieu nous bénisse. Donc, frère, vous voyez, on est tenu quand même, pour être en bonne santé, de faire quelques mouvements de sport. Hein.
ne serait-ce que marcher un peu. Quand je dis à ma femme de marcher, elle dit, mais elle marche tellement à la maison. C'est vrai. Mais on ne marche pas dans le but de tenir un certain rythme quand on est à la maison. Mais par contre, quand on doit marcher de l'autre côté, on doit tenir un certain rythme. Et on peut même regarder le battement, le nombre de battements de cœur par minute. On peut le voir. Et ça, c'est important. Je demande à mon petit Léo qui me regarde là, il n'a qu'à se marcher un peu. Si tu es dans la voiture, ça t'est cassé. C'est vrai qu'il faut apprendre à marcher. Ils vont dire, mais au lieu de prêcher, nous parle de marcher. Il faut être en bonne santé pour que vous venez vous écouter. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, on va parler un peu des âges. Et comme je l'ai lu la fois dernière, je suis parti lire dans le... Je crois dans le deuxième saut, troisième saut, Frère Branham est revenu en arrière pour dire devant les gens que quand il a fini de prêcher les actes de l'Église, l'ange de Dieu est descendu. C'est une grande lumière, tout le monde a vu. Près de 300-400 personnes étaient là. Quand il est descendu, qu'il a redessiné lui-même les actes de l'Église comme le frère les a dessinés, en mettant également les messagers exactement comme Frère Branham l'a fait. Pour nous faire voir que frères et sœurs, ce qui a été prêché n'a pas été prêché par la connaissance des hommes, mais c'est par pure révélation que Dieu l'a faite. Donc tenons dans nos mains quelque chose que Dieu lui-même a confirmé. Alors, on va aller dans le chapitre 2, on va commencer. Vous savez tout ça. On revient même un peu dessus. Cette fois-ci, on va analyser un certain nombre de choses là-dedans. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il donne ici son identité. Celui qui est concerné, celui qui fait ça. Frère, vous voyez, non? Le Seigneur lui-même manifeste, prouve que c'est lui qui a envoyé son ange pour attester ces choses à Jean. Et l'écrit, et ce qui est écrit là, est adressé à l'ange. C'est à l'ange que c'est écrit, c'est adressé. C'est pas au pasteur, non, non, c'est à une personne que c'est adressé. Écrit à l'ange de telle église, de cet âge-là, écrit. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Oh là là, frère, quand Dieu dit je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais ton zèle, je sais ce que tu fais. Tout à l'heure, nous avons dit non. Tous nos actes, toutes nos paroles, nos pensées sont enrichies, ça nous attend. Et ici, voilà ce que je dis ici. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. On en avait parlé la fois dernière, non? On en avait parlé. Et ce âge a duré de 53 à 170 après Jésus-Christ. Je viens là-dessus pour qu'on puisse regarder. Et l'apôtre Paul a mis en garde les croyants là-dessus. Actes 28 à 32 et Philippiens 3, 2. Et vous voyez ensuite, il dit que tu les as éprouvés, tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Frère, quand vous lisez dans les actes, vous allez vous rendre compte que les apôtres ont mis l'accent pour défendre ce que le Seigneur a fait. Si vous voulez, allons regarder un peu dans l'acte. Comme je dis, je ne vais pas me précipiter. Quand nous prenons Actes chapitre 2, je vais lire à peu près verset 30 que vous voyez. Non. Oh, 29. Un frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David,
qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore au milieu de nous. Frère, quand je lis ça, je m'arrête un instant. Je me rapporte, je me reporte à Matthieu 27. Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 27? Matthieu 27, ce jour-là, c'est le jour de la crucifixion et c'est en même temps le moment de la résurrection. Au moment de la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang s'est assombri complètement. Quand le sang a été versé, la terre a tremblé. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Est-ce que le sépulcre de David n'était pas là-dedans? Et le matin de la résurrection, la Bible dit, plusieurs des saints qui dormaient dans la prison sont ressuscités et sont apparus à plusieurs dans la ville de Jérusalem. C'est vrai, non? En d'autres termes, le sépulcre de David devait être vide. Je me trompe? Non. Mais ici, Pierre leur dit, son sépulcre est encore mieux de nous. C'est vrai, le sépulcre est vide, mais il est là. Si vous n'avez pas cru, vous qui n'avez pas cru là, sachez que David a son truc là. C'est comme si on avait mis des pierres tombales. Les pierres tombales ne vont pas. Même quand on sort, on est resté parti, les pierres tombales restent telles les gens. Donc David a raison, il dit, son sépulcre est là. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Pour leur dire, vous aussi êtes témoins. Ce Jésus-là, c'est de lui les questions. Il est ressuscité. Nous et vous, nous sommes témoins. Parce que vous êtes partis dire aux soldats de mentir que les accords vous dormez là, les disciples sont venus par le corps. Maintenant, si l'empereur veut créer des problèmes, on va vous défendre. Donc vous êtes témoins. Vous savez qu'il est ressuscité. Si ce n'est pas le Jésus, vous n'allez pas aller convaincre les gens pour mentir. Ça peut être témoin qu'il est ressuscité. Donc, aujourd'hui, sachez-le, on vous le dit tout haut. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la nation d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oh, les gens ont souffert pour son nom. Si on va dans Acte 5, je crois aussi, dans Acte chapitre 5, nous avons bien ça, au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit qui que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Il se bat partout. L'apôtre Paul, même pour un des épîtres de Paul, il parle du Seigneur Jésus. Et il s'y dit, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tes poings lassés. Oh là là, frère, battons-nous pour le nom de Jésus. Sachez qu'aujourd'hui, très peu confesse le nom de Jésus dans leur église. Très peu. Ce que les gens confessent le plus, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Très peu confessent le nom de Jésus. Je crois que ce week-end, là, on est parti à une veillée.
dans une salle, il y a un monsieur qui a perdu sa femme. À un AVC, elle a fait un AVC. Après, elle est revenue, elle a fait le coma, elle est revenue à la... Et puis sa sœur, qui est aussi de la même église, elle avait cru, et puis elle est sortie. La foi, semble-t-il. Et puis après, quand elle est revenue, après qu'elle revient, elle est revenue, elle a parlé avec elle. Mes frères, quand vous vous trouvez dans ce milieu-là, quand les gens prient, vous vous demandez si les toits ne vont pas partir. Vous vous demandez si le toit ne va pas s'envoler. Comme si c'est un criant que Dieu entend. Ah oui. Frère, écoutez-moi. C'est un gros privilège. Hein. On a un gros privilège, frère. La chose essentielle, là, c'est de connaître Christ. Et de marcher avec lui. Frère, beaucoup crient. Souvent, je me demande, mais est-ce que le Seigneur entend ce qu'ils disent? Mais écoutez, Matthieu 7, 28 là, ça comprend à l'égard de beaucoup de personnes. Hein. Et la personne a dit, Seigneur, je veux que ma soeur meure. Je ne veux pas que si tu veux meurer, qu'elle meure là. Je ne veux pas qu'elle parle comme ça sans t'avoir connu. Pendant combien de mois elle a prié, sa soeur lui donne la vie. Et qu'elle soit capable de parler, elle était capable de parler. Elle était capable de prier avec elle. Elle était capable de confesser ça. Elle dit, mais si le Seigneur me guérit, je repars à l'église. Et chaque fois qu'elle va le trouver, les deux prient ensemble. Mais elle est partie. Pour elle, elle est satisfaite. Mais quand je la regarde elle-même, de son physique, il n'y a rien de différent avec ceux qui ne sont pas croyants, les chrétiens. Et l'apôtre Paul dit, notre extérieur compte aussi, non? L'apôtre Pierre dit, notre extérieur compte aussi. Malheureusement, dans ces églises, dans ces lieux, l'extérieur ne compte pas. Non. Frère, on ne peut pas vivre ce qui n'est pas dans le cœur. Vous ne pouvez pas vivre ce qui n'est pas dans ton cœur. On ne fait que vivre ce qui se manifeste dans nous. Quand une femme aime de grosses chaussures de grande valeur, c'est ce qu'il y a dans son cœur, non? Quand un homme aime des vestes de grand prix, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Ceux qui aiment boire des vins de grand cru, mais c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et j'ai l'habitude de dire, le pied ne va que là où le cœur est. C'est là où ton cœur est, c'est à celui que ton pied t'envoie. Frère, que Dieu nous bénisse. Hein? Et méritons la bénédiction que Dieu nous donne. Frère, ces choses ne sont pas seulement pour des connaissances intellectuelles, théoriques, mais que ça ait un impact sur notre vie de tous les jours. Je poursuis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, des gens avaient des œuvres, mais il n'y a plus d'amour. L'amour a disparu. On fait tout. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, il a dit, même quand je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Comme je donne tous mes biens aux pauvres, et que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Donc, premièrement, frère, avant de dire, je vais faire des dons, je vais faire la libéralité, faire tout, que ça soit par amour. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi là, j'ai vu que tu as des œuvres, j'ai vu que tu as la persévérance, j'ai vu que tu ne peux supporter les menteurs, ceux qui apportent les débasqués. C'est vrai. Mais toi-même, j'ai quelque chose contre toi. Tu es descendu si bas que tu as abandonné ton premier amour. Donc tout ce que tu fais là, l'amour n'est pas dedans. Or, l'amour doit tout couronner. C'est le lien, frère, le meilleur lien de la perfection. Pour que les gens soient parfaitement unis, il faut qu'ils s'aiment. Quand les gens ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas être unis.
Dans un foyer, si on n'est pas, on ne s'aime pas, on ne peut pas être unis. Dans une maison, si les gens ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas être unis. Dans un pays, si les gens ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas être unis. Dans quoi que ce soit, dans quelque groupe que ce soit, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'union. C'est vrai. Alors, il dit, c'est ce que je te reproche. En d'autres termes, arrange-toi, fais tout ce qu'il faut pour que tu retournes là. On a lu la fois dernière, acte 3, non? 32. C'est acte 4, 32, je crois, oui. Acte 4, 32. Il dit, la multitude qui avait cru était un cœur et une âme. Ils étaient 5 millions, 5 000 personnes. Disons, on le dit dans acte 5, acte 4. Après 120, après la prédication, c'est 3 000 qui ont sont joints. Après, ils sont passés à 5 000. Mais tout ce groupe-là était un cœur et une âme. Cependant, il y avait Ananias, Saphira, le 2. Oui, frère. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. Frère, si on a le chandelier, il n'y a plus de lumière. Hein? Il n'y a plus d'éclairage. Vous êtes dans l'obscurité. À moins que tu te répandes, tu as pourtant ceci. C'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Voilà encore notre problème. Premièrement, il a apprécié tout cela, les a vraiment, comment on peut dire, c'était, comment je peux appeler ça? Ils connaissent les œuvres, le travail, la persévérance. Je cherche le mot, ça me, comment? Bon, c'est le mot, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser. Comment? Ou c'est l'éloge. Il a fait l'éloge de leur persévérance, de leur travail, mais il a regretté leur amour et les invite à retourner là. Et puis, il dit, il y a une œuvre, il y a des pratiques là au milieu de toi là. Il y a des œuvres là qui ne sont pas au milieu de toi. Heureusement, tu as vite détecté ça aussi et que tu as compte ça, les œuvres des Nicolaïtes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mot Nicolaïte, Nico veut dire conquérir. On veut conquérir les laïcs. On veut dominer sur les laïcs. On a commencé à faire la séparation entre les membres de la congrégation et les dirigeants. On a commencé comme ça, simplement. C'était anodin. Mais le Seigneur savait déjà. Et ceux qui sont là aussi ont dit non, non, non. C'est pas comme ça que Paul, Pierre et Jean nous ont appris à marcher. C'est pas comme ça. Vous venez déjà là. Déjà, vous voulez mettre tel groupe, tel groupe. Telle chose aussi, non, non, c'est pas possible. On a commencé à établir le clergé. Oh, déjà, on va voir. Le thème qu'on donnait au mot évêque, là, on va changer ça. C'était trop simple. Évêque, il dit surveillant, il faut changer. Non, non, c'est pas ça. Il n'est pas seulement surveillant. Il est responsable. Il est au-dessus des autres, là. Ils ne sont pas la même chose. Parce que lui, il prêche. Les autres ne prêchent pas, donc, tu vois, c'est pas la même chose. J'ai noté plein de choses ici, hein. Mais je vais aller, on va aller comme ça très vite. Dieu a condamné déjà, le Seigneur a condamné, le temps de Paul, les gens ont condamné, et Pierre a dit, prenez garde à vous-même, hein, et au troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi l'évêque. Je sais qu'après mon départ là, des loups, des personnes vont se lever au milieu de vous, pour enseigner d'autres choses. Pour enseigner des doctrines étrangères. Ainsi, voilà, cet âge-là, comme j'ai dit, il est passé de 53 jusqu'à 170 après Jésus-Christ. Paul était le messager, ça on le sait, on ne va pas traîner là-dessus. Allons au deuxième âge. Le deuxième, on nous dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Celui qui était mort, c'est Christ. Et qui est revenu à la vie, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est Christ.
C'est ce qu'il dit. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. L'apôtre Paul a dit, je crois dans Romains, quelque part, que les vrais juifs, c'est qui? Ceux qui font quoi? C'est de cœur, oui. Les vrais juifs, c'est nous qui croyons de tout notre cœur. Ils se disent juifs, ils ne sont pas. Ils calomnient. Frère, la calomnie est méchante. Hein? Mais ils sont une synagogue de Satan. Ils sont une association de Satan. Ils calomnient. C'est des menteurs. C'est des gens qui sont venus de vous et qui sont dupliques. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je crois que j'en avais parlé. Frère, c'est l'âge de la grande persécution. 10 ans de persécution. Le nismin correspond à myrne qui signifie amer. Et dans cet âge-là, la communion fraternelle a été rompue. Le fait de vivre en paix ensemble n'existait plus. On le verra quand on verra les sceaux. On avait parlé la fois dernière. Et toute persécution qui vient de l'extérieur permet aux croyants d'être ensemble. Mais c'est tellement difficile. Frère, je vais vous dire une chose. J'ai passé mon temps à relire, comme je disais, le Matthieu de Fox. Qui a lu déjà les Matthieu de Catacombe? On en avait cherché, on avait envoyé ça, non? On n'a pas encore eu ça. Les Matthieu de Catacombe. Frère, dans le Matthieu de Fox, ils ont pris chaque individu, chaque personne qui a été persécutée. Quand tu finis de lire, tu te dis, si ces hommes-là, Dieu n'était pas là, aucun n'allait pouvoir résister. Aucun. La persécution, l'homme est méchant. La manière, les hommes sont tellement ingénieux au mal. Ils créent des situations pour persécuter, pour t'arracher des paroles. Et ce n'est pas en un jour, hein. Ce n'est pas en 2 jours, en 3 jours. Il y en a qui font faire 1 mois. Mais on te fait passer par là. Et chaque fois pour voir si tu vas tenir ferme dans ce que tu crois. Si chaque jour, et souvent vous allez, avant de te tuer là, comment on va te tuer là, l'autre qui est devant là, on le tue devant toi. Et quand on l'a tué, ce jour on peut ne pas te tuer. On t'envoie que tu vois et puis on t'envoie dans ta prison. Et on envoie les gens pour te dire, voilà ce qui est passé. Est-ce que tu renonces, oui ou non? Et souvent, quand on vous a mis comme ça, on a mis le feu. Tous les bois sont là, hein? Les bûchers sont là. Quand on vous a attaché dessus, on met pour le premier. Et puis on met pour le... Mais frère, que Dieu est bon. Hein? Le Dieu est bon. Quand tu vois des gens, il dit, frère, tiens bon. Dans peu de temps là, nous rentrons à la maison. Prends courage. Dans peu de temps, nous allons endormir. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas revenir en arrière. Hein? Frère, tiens bon. On a mis le feu. Et ça monte. On laisse, ça monte. Il dit, frère, tiens bon. Dans peu de temps, on va le dormir. Et puis après, on vient sur lui. Et puis après, on vient sur lui, on vient sur lui. Il y a un là. Lui, on l'a pris, on le prend. On l'attache ici, on l'attache là. À de grosses chaînes, pieds, bras. On le tire. Tout ça, ça se déboîte. Vous pensez qu'on va le faire mourir? Non. Il y a un médecin là pour le soigner. On le prend pour aller dans la prison, on le soigne jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et puis on revient. Juste pour te dire, il faut renoncer à ce que tu fais. Mais cet homme-là, quoi ça? Il dit, lui, sa foi-là, il ne peut pas laisser.
Ah non, quand j'ai lu Frère Folie pour voir, c'est pour ça que quand j'ai dit on est là, on se critique là. On n'a pas connu. On ne sait pas ce que c'est la foi. On ne sait pas, frère. Ces hommes l'ont tenu pour qu'une trace nous soit laissée. Pour que chaque fois, la parole soit tenue. Parce qu'il y a deux groupes. Il y en a qui dénoncent même le frère. Ils se disent chrétiens. Mais on dit que toi, tu es anathème. Toi, tu es hérésie. C'est ce qu'ils croient là qui est vrai. Et ceux qui se disent chrétiens là, c'est eux qui persécutent les autres. Qui renoncent. Qui ne veulent pas abandonner la foi comme les apôtres l'ont vécu. Oui, c'est vrai, frère. Ah non. Et on fabrique même des situations que les chrétiens n'ont pas vécu, n'ont rien fait. On dit c'est eux qui ont fait ça. Il y a un pour Dioclétien qui a fait 10 ans. Son propre frère a fait brûler la maison. Pour c'est les chrétiens qu'on fait. Et on a poussé les chrétiens pour venir les mettre à mort. Parce qu'il faut trouver un argument. Oui, c'est vrai, frère. Quand je vois Frère Branham s'assis là, il a lu tout ça là. Et puis, j'étais chercher le martyrologe des Romains. C'est là où les frères Yapi et Cheux m'ont ramené. Quand j'ai dit 60 millions de morts, c'est 68 millions de morts. 68 millions de personnes. C'est dans le martyrologe romain que cela est écrit. Quand vous voyez, et c'est écrit petit. Mais quand on voit que Frère Branham a lu tout ça là, dans les détails, pour nous donner ce que c'est, il dit, l'histoire et la Bible sont d'accord là-dessus. L'histoire et la révélation sont d'accord là-dessus. Et c'est vrai. Des gens ont pris le temps d'écrire le nom de chacun. Comment il a souffert. Comment on l'a tué. Qu'est-ce qu'on a fait de lui. Et puis frère, personne n'est mort en maudissant. Personne n'est mort en maudissant. C'est toujours père. Je te remets mon esprit, mais pardonne à ceux qui font ça. Ils ne savent pas pourquoi. Seigneur, je remets mon âme en tes mains, mais pardonne-leur. Comme exactement Étienne l'a fait. Alors quand on lit ça, c'est pour nous montrer que des gens ont souffert avant nous pour que cette parole nous parvienne. Parce qu'ils ont tenu bon dans la vérité. Ils ont tenu bon dans la vérité pour que la vérité nous parvienne, frère. Si tout avait baigné dans le faux, le faux allait prédominer. Mais ceux-là, ils ont baigné dans la vérité, ils ont maintenu leur foi dans la vérité pour que la vérité nous parvienne. Pour nous dire que, frère, aujourd'hui, nous devons être capables de nous aimer. Oui, c'est vrai. 10 jours de persécution. C'est 10 années, frère. 10 années de cruauté. De cruauté. De cruauté. On les poursuit. On va aller, comme je vous ai dit, on ne va pas rester longtemps là-dessus. On va aller au troisième âge Pergame. Je pense que ce n'est pas trop rapide cette fois-ci et que je donne un peu plus de détails. C'est ça, non? Écrit à l'âme de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qui l'a? C'est Christ. Celui qui a l'épée aiguë. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voici ce que dit celui qui a l'épée tranchant à deux. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Mon témoin qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des démons. À la doctrine des démons. À la doctrine de Balaam plutôt. À la doctrine de Balaam. Qui a enseigné Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Là aussi, demain, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Frère, ici, vous voyez, au premier âge, c'était les œuvres des Nicolaïtes.
Au troisième A, ça devient une doctrine. Des choses qu'on enseigne maintenant. Avant, on ne faisait que des pratiques. Mais là, on les enseigne. Pour qu'on les pratique correctement. Que tout le monde le sache. Ici, comme je l'ai dit dimanche passé, c'est le mélange, l'union du paganisme et de la, et de la, et de la chrétienté. On amène les chrétiens à participer à tout ce qui est païen, au cul des isoles. Vous avez vu que dans les églises catholiques, il y a tellement de quoi, d'idoles. Mais pas seulement dans les statuettes, mais l'adoration. C'est là où j'ai pu lire tous les mois, le nom des mois là, frère. C'est dans les martyrologes romains. Même les jours, le nom des jours, d'où ça vient. Et souvent les noms qu'on donne aux gens sont liés à ça. Ouais, le nom, on dit le nom chrétien là. Hein. Gardons le nom comme ça. Patrick, moi, j'ai oublié ça derrière. Ouais, Patrick, dans quel mois c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Frère, oui, c'est vrai. Ce qui était neuf est devenu, comme je dis, un enseignement aujourd'hui. On a établi l'autorité papale. Donc, désormais, avant, on fait juste une petite distinction, mais maintenant là, non. Vous avez le pape, le Monseigneur, l'archevêque, l'évêque, le prêtre, et puis qu'il y a quoi d'autre encore? Hein? Il y a encore d'autres noms? Les quoi? Les frères? Les vicaires? Les vicaires sont un peu hauts. Ils sont en bas ici, c'est là. Quand ils descendent, ils ne sont plus vicaires. Ils disent, il y en a qui sont des frères. Et puis ils ont des diacres aussi. Puis ils ont des nonnes qui s'occupent des femmes. Ils ont tout organisé. Hein. Tout le monde n'a pas le même pouvoir. Or, au temps des apôtres, tout le monde avait le même pouvoir. C'est faux? Mais si! Tout le monde avait le pouvoir, hein! Ceux qui étaient, ceux, les prédicateurs n'étaient pas plus grands que les autres. Le Seigneur a dit, vous êtes tous des frères. La preuve, vous voyez comment Pierre, Paul a repris Pierre à Antioche. Est-ce aujourd'hui là? Un prêtre peut reprendre un évêque? Un évêque peut reprendre un archevêque? Un archevêque peut reprendre un monseigneur? Non! Les monseigneurs, ce sont ceux qui sont prêts à devenir pape. Ah. Mais c'est la même chose qu'on a établi maintenant dans nos religions également. Comme je vous disais dimanche passé, il y a des prophètes ou des pasteurs ou des docteurs qui sont inaccessibles. Pour les avoir, il y a beaucoup de barrières à traverser pour parler avec eux. Pour les atteindre. Mais vous voyez ici, personne n'est plus grand que l'autre. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non. Nous pratiquons ce que la Bible a pratiqué. Nous devons le faire. Nous sommes frères et sœurs. Frères, je vous ai dit dans l'église, il ne doit pas avoir un seul ou quelques-uns qui... Tout le monde a un travail à faire. Prions que le Saint-Esprit descende et que les dons soient donnés. Et vous allez voir chacun. Même l'apôtre Paul dit, même les vieilles femmes converties là, elles ont un travail auprès des jeunes filles qui se marient. Je regarde, elle n'est pas encore vieille. C'est vrai, il y en a qui sont, c'est pas de l'âge, c'est pas par le visage. Mais il y en a qui sont très, très vieilles dans la foi. Souvent, je regarde vite, je dis, mais elle est plus vieille dans la foi que beaucoup. Hein. Elle, c'est depuis son enfance qu'elle a commencé. Ah. Mais la vraie foi, c'est quand elle a donné son cœur au Seigneur. Tout le temps passé avant là, ça ne comptait pas. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Maintenant, vous regardez bien, frère. Les cérémonies païennes sont permises dans les églises. C'est faux? Vous voyez les jeunes petites filles, souvent il y a des fêtes là, on les tatoue partout, là, puis elles sont nues, puis. Ça n'a rien à voir la Bible. Ça n'a rien à voir la foi. Ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont enseigné.
On a fait un mélange, un mariage entre la religion et l'État. Je vous ai dit la fois dernière que il était arrivé un temps où les responsables d'église sont désignés par le roi. Et il y avait un temps également, c'est les papes qui désignent les rois. Vous voyez comment c'est? On a le pouvoir civil et religieux. Le pouvoir mondain et religieux. Les deux mis ensemble, frère, on ne peut que persécuter ceux qui ne s'alignent pas. Ceux qui ne s'alignent pas, on ne peut que les persécuter. On va aller rapidement. Je donne les deux essentiels. Hein, parce qu'on va voir beaucoup de choses après dans les sauts là. Prenons le quatrième. On passe au quatrième. Thyatire. Dans l'église de Thyatire, toujours écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le Fils de Dieu qui parle. Quand vous lisez dans Hébreu 1, venez dans Hébreu 1, on va lire quelque chose dans Hébreu 1. Je lis le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il est établi héritier de toutes choses par lui et il a aussi créé l'univers. Alléluia. Avant, Dieu a parlé par les prophètes. Mais à notre époque, c'est le Fils même qui est descendu pour parler. Pour nous enseigner la voie de Dieu. Pour nous vivre, pour vivre comme nous devons vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Hein. Après, on a un prophète. On a des docteurs. On a des évangélistes. On a des pasteurs. Mais on parle. Parce que tous ceux-là sont utilisés par qui? Par l'Esprit de Dieu. Par le Fils. Et ici, il dit, c'est le Fils de Dieu qui parle. Là. Il dit bien, écrit à l'âne de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain poli, à l'airain ardent. Frère, on a ici un jugement. Le reste, c'est le jugement. Vous voyez ses yeux? Aujourd'hui, ses yeux qui un jour a pleuré pour Lazare, qui nous supplie certainement, ce jour-là, c'est simplement en face de quelque chose auquel on ne pourra pas résister. Et il poursuit. Je connais les œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se répentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se répande de leurs œuvres. Frère, généralement, c'est une église qui est relâchée totalement. C'est une séduction papale. Et l'église a pris tout là. On a retiré la lecture de la Bible. C'est là où on a retiré la lecture de la Bible aux croyants. Parce que, comme je l'ai dit dimanche passé avant, là, on nous dit si tu lis la Bible là, tu as devenu fou. Il y a un groupe qui peut lire la Bible pour nous. Ils avaient leur Dieu mieux d'eux et déjà parce que ce temps, frère, si vous regardez bien, qui a bien souvent regardé, l'église catholique ne parle jamais du millénium. Hein. Pour eux, le millénium a déjà eu lieu. Mais le Fils de Dieu est là, le vicaire, le remplaçant de Dieu sur la terre, il est là. Ils sont au millénium déjà. Celui qui est Fils de Dieu est là. On va aller où? Il est déjà là. Donc, on ne peut pas de là. C'est nous qui parlons l'enlèvement. Hein. Pour l'enlèvement déjà fait. Et beaucoup de religieux ne parlent pas de ça. Même à l'aide de l'église méthodiste, on entend parler du retour de l'enlèvement. Et ils en parlent. Mais chez les catholiques, non.
C'est le post-millénariste. Oui, c'est vrai. Personne n'est capable d'interpréter la Bible si ce n'est qu'eux seuls. Et avant, c'était tellement bien. Je vais vous dire, c'est pour ça qu'ils prêchaient, ils faisaient tout en latin. Personne ne comprenait. C'est comme nos parents musulmans qui ne font tout qu'en arabe. Mais maintenant, ils chantent les cantiques. Hein. Maintenant, ils chantent les cantiques. Avant, ils ne chantaient pas des cantiques, mais ils chantent des cantiques. Maintenant, ils font également des campagnes d'évangélisation. Doucement, doucement dans les choses. Frère, ils vont arriver à se mettre d'accord pour former ce grand mouvement écuménique. Pour se mettre d'accord pour accepter tout. Mais nous, nous devons rester à l'écart, complètement. C'est l'âge, on dit également, c'est l'âge des ténèbres, c'est l'âge du Moyen-Âge, c'est l'âge des ténèbres. C'est là où tout est noir. On a enlevé la Bible. Tous ceux qui ont quelques morceaux pour lire là, on les poursuit. C'est à lui le catacombe, on dit, les gens peuvent avoir seulement une seule page de l'écriture. Et c'est ça qu'ils lisent tous les jours. C'est ça qu'ils sont fondés. Parce qu'on ne leur permettrait pas d'avoir la Bible. Quand l'autre a une page, l'autre a une page, on met ensemble. C'est ça ce qu'ils ont à lire. Mais nous, on a tout le livre. On ne le lit même pas. On a tout le livre, on ne le lit pas. Et même quand, tout à l'heure, il y a des brochures, les circulaires, si on dit, voilà, frère, les circulaires, on ne les lit pas. Et la fois dernière, on parlait, frère Badi dit, mais on, frère, le message a 52 ans dans ce pays. 52 ans, on n'a pas d'homme capable de se tenir sur les pieds pour nous dire, voilà ce que dit la Bible dans tel domaine. Il n'y en a pas. 52 ans. Plus d'un demi-siècle. Et il n'y a personne qui peut nous dire, frère, dans ce point-là, voilà ce que dit la Bible. C'est ça que les apôtres ont prêché. On est tous partagés. Chacun a sa propre opinion. Chacun a sa propre connaissance. Nous, quand on se met ensemble, c'est des disputes pour au point où mon frère, il a dit, je ne vais pas aller dans les réunions pour disputer. Je peux rester chez moi. Vous voulez vos réunions, allez-y. Il n'a pas tort. Si c'est pas de discuter des opinions, on n'en a pas besoin. On veut des gens qui sont des colonnes pour nous faire asseoir dans la Bible. Quand on ne sait même pas comment étaient les anciens, la chose la plus simple possible. Comme la fois dont on parlait des mariages, là, où la soeur me dit, mais on a marié une soeur. Le mari et la femme sont séparés. L'homme est parti. Il a pris une femme, c'est vrai. La femme est partie. Et les frères ont donné mari à la soeur. Le juif vient réclamer sa femme, elle est mariée. Elle est en état d'adultère. Et celui qui l'a mariée, c'est en état d'adultère. En état d'adultère, toi qui l'as mariée, tu es en état d'adultère. C'est écrit dans Matthieu 5. Mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le message. On est dans la religion. En soi, frère, soeur, elle n'a pas dit, on dit, vous êtes libre. Le Seigneur dit, vous êtes libre. Je peux te marier. On lui donne un mari. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le message. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la Bible. Pourquoi, frère? Parce qu'il n'y a pas de colonne à qui on peut se référer dans ce cas-là. C'est des colonnes. On dit, nos frères, est-ce que c'est comme ça? Si on a un doute là, allons voir tel frère là. C'est la colonne. Il va nous expliquer comment faire pour ne pas pécher contre Dieu. Malheureusement, on s'engage dans des voies périlleuses. On prend des chemins très périlleux. Et on plonge tout le monde dans les ténèbres. Église de la doctrine, c'est l'Église catholique. C'est la prophétesse. La lettre de Dieu, comme j'ai dit. J'ai noté certains de choses ici. Je peux les voir. Oui, c'est l'essentiel. 68 millions de protestants mis à mort, tranquille. Tous ceux qui sont dans le martyrologe de Romain, comme dans le martyr de Fox, et encore on dit, les 68 millions là, c'est même pas la totalité. C'est ce qu'on a pu dénombrer. Ce qu'on a pu dénombrer, sinon, ça doit être plus que ça, normalement. Allons rapidement, on va voir le cinquième, c'est ça, Sade.
Pour nos stades. Je reste par l'élément essentiel. Hein. Aux éléments essentiels, s'il vous plaît. À Sade, écrit à l'ange de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, frère ouais, non, cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Ouais, depuis que je lis, je n'ai jamais lu la récompense définitive. Hein. Ça, vous pouvez le lire. On s'en tient à ce qui est important dans tous ces éléments-là. Alors, quand nous prenons Sad, où es-tu, Sad? C'est toi, oui. Sad, c'est l'âge de la réformation. C'est une église qui a échappé. Elle a échappé à qui? Au contrôle romain. Luther est sorti de là. Et il a posé les 95 thèses. Et il a ressorti beaucoup de personnes. Il dit, le juif doit vivre par sa foi. C'est pas parce qu'on va payer ici les neuvaines, les ceci, les données de culte, on fait ceci, il va le faire les pénitences, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas dans la Bible. Donc c'est une église qui a échappé des mains des catholiques. Quand on parle de catholiques là, attention, il y a beaucoup de catholiques. Il y a deux catholiques, hein, on voit. Il y a les orthodoxes, et puis il y a les catholiques romains. Donc, Luther a donné la possibilité aux hommes d'avoir accès de nouveau à la Bible, tout entière. Pour qu'on lise et qu'on voie qu'est-ce qui fait la différence. Si ce qu'on nous enseignait avant, c'est vrai. Je vous ai dit la fois dernière que, ça je l'ai dit depuis longtemps, regardez au début, le diable dit, ces hommes-là sont les laissés avec le livre-là, ils vont convertir tout le monde. On ne va pas les laisser en paix. Il faut d'abord les persécuter, les tuer. Plus ils tuent, plus les gens se convertissent. Là, j'ai lu quelque chose où un des croyants a été pris pour être tué. Mais ceux qui sont partis pour le convaincre là, tous sont convertis. Ceux qui sont partis pour le convaincre là, tous sont convertis. Sa persévérance, sa foi, sa disposition à mourir volontairement, si on doit le tuer pour sa foi là. Cette force là a fait que tous ses frères et tous ses autres qui étaient là sont convertis. Le diable dit, c'est à ce point là, si on continue comme ça là, il a trop de conversion. Il a voulu les tuer. J'ai enlevé le livre. Le livre dans lequel il regarde et puis il parle là. J'enlève ça. Il a enlevé. Mais ça n'a pas empêché les gens de continuer de croire. Et puis il dit, donne-leur ça. Comme il veut ça, on va leur donner. Comme Luther est venu, il n'a qu'à donner. Nous, on va lire. On va le donner ça à nos membres. Mais on va faire une chose. On va mettre notre main sur leur visage. Main sur leur cœur. Ils vont lire, ils ne vont pas voir, ils ne vont rien comprendre. Pour qu'ils se répandent, qu'ils les sauvent. Frère, c'est pour ça que tout le monde lit la Bible, hein, mais tout le monde ne la comprend pas. C'est faux. Si tout le monde la comprenait là, ici, elle serait remplie. Hein. Si tout le monde la comprenait comme vous là, ici, elle serait remplie. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. C'est là où sort le piège. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, là, on est déjà deux églises, il y a un quartier ici, on est là. Quand vous descendez, il y en a plein. Parce que tout le monde lit la Bible aujourd'hui. Mais combien sont ceux qui croient? Achille. Oui, on est parti, on a trouvé une petite église. Belle. Elle est belle, on va aller regarder ça. Je crois pas qu'elle ait coûté très cher. C'est très beau. On va aller regarder. On ne dit pas qu'on renonce à notre plan. Hein. Non.
Mais c'est tellement bien. Quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas avoir la chaleur. Parce que c'est fait de sorte qu'il y a une ventilation totale, entière, partout. J'étais allé le faire au Nésime, j'ai regardé, on dit, ah, c'est bien, c'est très coquette, c'est bien joli. C'est vrai, ils ont assez d'espace et tout. C'est la réformation. L'Église romaine lit l'accès à la Bible et on vit par la justification, par la foi. La grande doctrine qu'on a, c'est qu'on est sauvé par la foi. Vous voyez, non? On est sauvé par la foi. Si on croit simplement, on est sauvé. On s'en fout du reste. On laisse les... Non, nous, on a la Bible. On croit la Bible, juste vit par sa foi. Et c'est vrai. Et Luther a s'est battu pour que tous ceux qui étaient autrefois sortent. Parce que, écoutez, les pauvres payent les neuvaines, les données de culte. Ils paient tellement de choses. Quand quelqu'un meurt, il faut payer ceci, il faut payer cela. Il faut payer pour que son âme sorte du purgatoire par le paradis. D'abord, il va au purgatoire, il faut payer. On n'a jamais vu le nom de personnes sortir du purgatoire. Hein, Badou? Elles ont fait l'état de sous du purgatoire. Il faut jamais l'état. Mais aussi longtemps que vous êtes là, vous pouvez payer pour vos parents pour qu'ils sortent du purgatoire. On ne vous dit pas quand ils sortent du purgatoire, vous payez tous les jours. C'est faux? Il faut payer à chaque fois. Il faut faire des... Maintenant, on dit, avant, on dit messe de l'équipe, il y a l'autre qu'on a dit, on n'a pas ajouté. Le suffrage. Ah oui, avant, il faut faire les maîtres de l'équerre. Maintenant, on fait les maîtres de suffrage. Oui, maîtres de suffrage. Je ne sais pas si c'est au-delà de l'équerre. Parce que le mot l'équerre vient du requin. Le requin vient du requin. C'est du requin qui est venu le requin. Maintenant, le suffrage, voici à savoir. On cherche à savoir. Parce qu'on a vu ça seulement quand l'un de nos... toi, tu connais une chose, Johnson. C'est sur le truc de Johnson qu'on a vu qu'ils n'ont pas de bête de messe de suffrage. Que Dieu nous aide. On va aller rapidement pour finir au moins. Il est déjà midi, non? Pour finir, puis l'après-midi, on va faire les sauts et messe avec Joël 1 et 4 pour aller. Donc, on passe à Philadelphie. Voilà l'avant-dernier âge. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Amen. Il a les clés de David. Frère, le nom de David est grand, hein? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime, parce que tu as gardé la parole et la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je reste toujours là-dessus. L'âge, c'est l'âge de la sanctification. Wesley a prêché la sanctification. Et c'est l'âge de l'amour fraternel. C'est l'âge où il y a eu beaucoup de missions, où les gens sont partis en mission pour apporter cette parole-là. Ils ont publié le message, et le message, c'est la sanctification. Oui, c'est vrai. Et quand je laisse une porte ouverte, frère, il va avoir une porte ouverte en cet âge
et la, le dernier âge. Parce que chaque âge a une répercussion sur le, celui qui suit. Hein. Tout ne sort pas, on prend. Parce que vous allez vous rendre compte que quand Luther a prêché la foi et que Wesley est venu, n'a pas réussi la foi. La foi, on vit par la foi, mais il arrive à la sanctification. Et quand vous allez arriver à l'âge de l'Odyssée, vous allez vous rendre compte que, comme on l'avait dit concernant le mouvement pentecôtiste, les gens qui ont cru, c'est des gens qui vivaient une vie sanctifiée. Et c'est cette sanctification qui les a amenés à dire, mais autant des apôtres là, non seulement ils avaient la foi, non seulement ils étaient sanctifiés, mais l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu d'eux. Pourquoi nous, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas? Et c'est ce qui va pousser les gens à 1906, à Los Angeles, dans cette petite ville-là, dans cette grande ville qui est une grande ville maintenant, c'est la cinquième puissance économique mondiale. Cet État américain est la cinquième puissance économique. On la retire de tout, elle seule, elle est la cinquième puissance économique. Et c'est là où se font tous les films, à Los Angeles, c'est là. Et vous savez que c'est là habite où on fait maintenant Tesla. Tesla, c'est le lieu où sur deux, sur trois voitures, tu as deux noms, c'est ça? Cette voiture électrique là, à Los Angeles, si tu vois trois voitures, deux sont Tesla. C'est pour ça que cet homme, Elon Musk, est devenu un grand multimilliardaire, poussant partout. C'est vrai, il a construit tellement de sociétés aussi, semble-t-il. Il a acheté Twitter, il a en train de construire Space pour le lancement des satellites. Et il a pour objectif d'aller d'ici 2026, 2027 ou 2028, au plus tard 2030, faire habiter les gens sur Mars. On a écouté ça, où quelqu'un dit, aller sur Mars, c'est une chose. Mais y habiter, c'est pas évident. Mais on a lu déjà une fois, non? Que même s'ils vont nous nicher quelque part là-bas, il va les dénicher. C'est dans quel livre? C'est dans quel livre? Vous avez oublié le livre là? Bon, je vais vous le trouver. Allons dans l'Ancien Testament. C'est pas dans Abdias? C'est dans Abdias. Dans Abdias, je lis à partir du verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre, quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Amen. Même quand tu as le dessus des étoiles, à placer ton nid là-bas, là, moi l'Éternel vais te précipiter. Ça veut dire, je vais faire quoi? Ébranler le ciel, la terre. Allez-y là-bas sur Mars. Je vais ébranler toutes les étoiles. C'est pas que les ai créées. C'est pas que j'ai créé tous les luminaires. Montez où vous voulez. Quand vous avez souillé la terre, maintenant vous l'avez souillé ailleurs, allez-y. Mais je vais vous précipiter sur la terre. Parce que je suis le seul Éternel qui a tout créé. Amen. Donc, oui, c'est vrai. Dans Philadelphie, cette église de Wesley, je vous ai dit, Wesley est un enfant d'une famille de 19 personnes. Hein. Il est le 15e. Quand on regarde ça, on se dit, mais comment la maman de Wesley faisait? On nous dit qu'elle a le temps de s'occuper de leur repas, de leurs vêtements, et d'avoir le temps de prier pour chacun des enfants. Quand je prends les 24 heures, il a combien de temps pour se reposer? Hein, mes soeurs, vous êtes fatigués aujourd'hui? Je regarde ma fille de l'autre côté, elle a absent ses 4 petites filles, avant de finir de tresser, la dernière, elle est épuisée complètement. C'est vrai. Mais cette vieille femme-là, 19 enfants. Le 15e, c'est Wesley. Son frère Charles également.
Et leur père est un prédicateur qui part et qui revient, qui part, qui revient. La mère s'occupe de toutes ses affaires, fait son sac, fait sa valise pour le voyage. Après, s'occupe de 19 enfants. Et puis, elle prie pour chacun. De ce que Wesley dit, c'est parce que sa mère a prié pour eux, que eux tous se sont devenus des croyants. Amen. Elle a combien de temps pour le faire? 24 heures, frère et soeur. Vous voyez combien de fois on est devenu flegmatique. On est devenu très fragile. Que Dieu nous aide. Hein? Ces personnes nous ont devancés. Ils ont été pieux, courageux, zélés. Ils ont pris toutes les armes de Dieu. Ils ont combattu. Ils ont tenu ferme. Oh, que Dieu nous aide. Passons à notre âge facilement pour en mettre fin. Oh, c'est le dernier. Le misérable de tous les âges, c'est le nôtre. Il n'y a même pas une seule parole de loge, de félicitations. Il n'y a rien dedans. Et regardez bien. Il écrit à l'âme de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu dis, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte ne paraisse, et ta honte, et la honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour ouvrir tes yeux, afin que tu voyes. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle, et répands-toi. Frère, ici, il n'y a aucun éloge. Aucune part de félicitation. Tout est mort, tout est mort. On est méchant, on est mauvais, on est séparé. On est orgueilleux. C'est un vrai blâme. C'est un âge impie. Pire que les autres. Pas de chaleur venant du Saint-Esprit. Une église tiède, inconsciente de son état. Pas de vie spirituelle, pas de discernement. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Et il dit, viens acheter de moi, quoi ? Les habits blancs. Oh, les habits blancs, on lit après 19. 7 dit, le fin lait éclata pur, ce sont les œuvres justes des saints. Mais si tu n'es pas saint, comment tu peux accomplir les œuvres justes? Il dit, achète de moi un colis pour ouvrir tes yeux. Mais lequel colis on va acheter? C'est le Saint-Esprit. Lui, c'est le Saint-Esprit. Le seul moyen pour que tu puisses voir clair, il faut avoir le Saint-Esprit. Souvenez-vous que Matthieu 25. Les folles et les sages. Seuls les sages avaient de l'huile dans leur lampe qui permet d'entretenir la flamme pour voir clair. Les sages, les folles n'en ont pas. Et même quand... Regardez bien, regardez bien. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Allez-y vers ceux qui vendent. Non pas vers celui qui donne. Parce que Jésus ne vend pas. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Mais allez-y vers ceux qui vendent, parce qu'il fait les vendeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, on apprend à parler la langue. On apprend à faire semblant pour voir si on a le Saint-Esprit. Oh, c'est pas de ça que les questions. C'est le vrai Saint-Esprit qui descend du ciel. Frère, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ils n'ont pas d'huile. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère Branham n'a pas donné le nom du messager de cet âge. Mais j'ai cherché, j'avais lu quelque chose, j'ai cherché ça pour vous donner. Je ne l'ai pas retrouvé, mais j'essaie de le retrouver dans la semaine. Il dit, mais c'est ce que fait le messager de cet âge ce soir. Oui, c'est ce que fait le messager de cet âge ce soir-là. Ce que le messager fait là, c'est ce qu'il fait ce soir. Nous tous, on sait qu'il est le messager de Laodicée.
C'est vrai. Malachie 4 nous le dit. C'est vrai. Matthieu 17 nous le dit. Marc 9 nous le dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous sommes dans cet âge-là. Frère, après cet âge, il y a plein d'autres âges. Il n'y en a plus. C'est pour ça que frère, regardez bien. Dieu a attendu que tous les âges, l'histoire, que l'histoire enregistre tout, tout, avant que la révélation soit donnée. Et la révélation est donnée au dernier moment, en cette fin des temps, à la fin de ce temps-là, pour remettre le temps de la fin, c'est là que Dieu donne la révélation pour nous dire, maintenant vous connaissez tout. Ce n'est pas pour que vous ayez une connaissance intellectuelle. C'est pour que cela vous serve à marcher comme ceux qui ont été vainqueurs. Parce que dans tous les âges, il y a eu des vainqueurs, frère. Du premier, malgré toutes les persécutions, malgré tout ce qui est passé, dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Et il doit y avoir aussi des vainqueurs dans notre âge. Et c'est vrai. Tout à l'heure, on a lu des choses concernant ces personnes-là, qui sont devenues tellement fanatiques, qui pensent que ça me vient à Frère Branham, qui vont passer à l'enlèvement. Ils n'ont pas cherché à savoir que c'est en étant baptisé du Saint-Esprit, quoique dans toutes les prédications, le Frère insiste que sans le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Que personne n'est chrétien s'il n'a pas le Saint-Esprit. Que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'a pas le Saint-Esprit. Personne ne peut dire « Jésus est mon Seigneur » aussi longtemps qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Malheureusement, frère. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors ces hommes-là, on sait qu'il y en a habité en Arizona, à Tucson, Arizona. Alors, quand l'allemand va à Dieu, hop, ils vont passer avec lui. Mais c'est faux. C'est faux. Alors, ceux qui disent qu'ils sont assis sur la tente de frère, la tente de frère Franck là. Maintenant, la tente est où aujourd'hui? La grande tente là, elle est où aujourd'hui? Ils s'attendent à ce que le Seigneur revienne à Frère Franck. Écoutez bien, parce que Frère Franck dit, quand les derniers moments vont arriver, le Seigneur lui parlera. Alors comme ils sont tout près de lui, ils vont comprendre mieux que ce que c'est. Mais il est parti. Alors qui va les informer maintenant? La chose qui doit arriver là, pour laquelle il va informer là, il est parti. Qui va les informer maintenant? C'est que dans l'Est, c'est clair. Hein? Quand l'heure viendra, alors ce qui va arriver là, le Seigneur va lui parler. Allez, il parlera, mais il n'est plus là. Frère, marchons avec les Écritures. Ce que le serviteur de Dieu dit là, écoutez-moi bien, ce que le serviteur de Dieu dit, c'est une affaire entre lui et Dieu. On peut ne pas comprendre. Oui, on n'a pas besoin de juger ça. On n'a pas besoin de juger ça et de commenter. C'est une affaire entre Dieu et la personne. C'est tout. Mais nous devons rester attachés à ce qui est écrit. Ce qu'on peut lire là. Une fois, je parlais à quelqu'un, mais vous savez, dans Lévitique ou Nombre, il y a une chose que Dieu a dit à Abraham de faire. De prendre le sang pour mettre sur l'orbe de l'oreille gauche. De prendre le sang pour le mettre sur le pouce gauche et sur le gros orteil gauche. Ça, c'est pour l'esprit sacrificateur. Et même pour le lépreux, pour le purifier, on le met sur son oreille, sur son pouce gauche et sur son gros orteil gauche. Je l'ai lu, moi j'ai lu ce que Franck a écrit. Je dis, mais je n'ai pas de verset complémentaire pour parler de ça. Si je viens vous dire que voilà ce qu'il a écrit, quelqu'un me demande, quelle écriture encore qui accompagne ça? J'ai dit, Frère Franck a dit. Non, c'est pas Frère Franck a dit. Frère Franck n'a pas dit. Est-ce qu'il m'a demandé de dire? Il m'a demandé de dire ça. Est-ce qu'il m'a demandé de dire ça? Non. Si je dois le dire là, je dois avoir les écritures pour accompagner ça. Je sais ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, je le sais. Mais pour que moi je le dise, pour que ça ait de la valeur, il faut que je soutienne ça par d'autres écritures. Aussi longtemps que je n'ai pas d'autres écritures, que je crois que c'est vrai ou c'est pas c'est vrai et que je ne comprends pas, je n'ai pas besoin d'en parler pour me faire croire que, je connais les écritures. Alors je connais les écritures. Non. Je ne connais pas.
Tu connais les Écritures que si tu peux tenir de A à Z ce qui est dit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais je ne vais pas m'asseoir sur deux Écritures pour développer quelque chose alors qu'il y a quelque chose dans ça. C'est le problème qu'on a eu avec le père de Pou et Pou là, ça. Quand j'ai posé la question, mes frères, donne-moi les Écritures pour que ceux qui me posent des questions, je puisse répondre. Il n'y a pas d'Écriture, frère Fagadi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu ne vas pas me dire, frère Fagadi, moi je vais manger ça. Je ne peux pas manger ça. Frère, donne-moi les Écritures. Et vous voyez, c'est le même problème. Alors, frère, c'est le même problème qu'on a avec béni Dieu, pas béni Dieu, voilà le même problème. Béni Dieu, pas béni Dieu, voilà, la même chose. On passe d'état en état, de nation en nation, de ville en ville, pour faire croire que ce que l'homme de Dieu a dit, on peut le répéter comme on veut. C'est faux. Ça ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Ce qui peut faire de toi un serviteur de Dieu, c'est que tu peux soutenir ce que tu dis par les Écritures. Voilà. Quand quelque chose, ça va être nouveau pour les autres, tu dois les amener dans les Écritures pour qu'ils découvrent que ce que tu as dit là, voilà la base. Voilà la base. Et c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vous ai pris tellement de temps aujourd'hui. Je suis arrivé à 12h30, alors qu'à 15h, on va se retrouver. On va arrêter ça ici. Et puis, j'ai noté quelque chose que je vais vous donner en même temps. Dans notre âge de l'Odyssée, les gens ne cherchent pas les âmes au Christ. Hein. Toutes les églises cherchent des âmes. À augmenter le nom, pourquoi ? Pour avoir de l'argent. Pour se croire fort. Pour se croire grand. Oh, on est fort. On est un homme. Cette semaine ici, l'année prochaine, on doit être tel membre. Et toi, dans ton lieu là, il faut gagner tel nombre de membres. Toi, écoute, tel nombre de membres. On fait des objectifs de membres aujourd'hui. Pourquoi ? On veut faire voir qu'on est grand. On est puissant. Et en bas, on a de l'argent. Et pourtant, nous sommes une église très mondaine. Mondaine, vraiment. Encore, l'apôtre Paul dit, ne ressemble pas au monde. L'apôtre Pierre dit, ne ressemble pas au monde. L'apôtre Jean dit, ne ressemble pas au monde. Soyez différents. Votre modèle, vous les soeurs, vous êtes des filles de Sarah. Je me trompe? L'homme, je ne t'ai pas demandé, hein. Toi tu es un homme. Quand les choses concernent aux femmes, vous répondez. Les femmes, je me trompe? Non. Donc vous devez avoir pour modèle Sarah et toutes celles qui ont fait professeur de service auparavant. Voilà. Aujourd'hui là, quand tu prends une femme, tu passes par derrière, tu dis c'est un garçon. Cheveux coupés, jean, chemisette, et puis c'est tout. Et soit il y a des petits mocassins maintenant qu'on donne aux femmes là. Oh oui, quand tu passes par derrière, mais ça, c'est un homme. C'est quand tu passes devant, ah, c'est une femme. Les femmes ne portent plus beaucoup de boucles d'oreilles, c'est les hommes qui portent des boucles d'oreilles maintenant. Oh, voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà l'âge dans lequel nous sommes, frère. C'est l'âge de la perversion totale. Tout est perverti. J'ai mis ici. Regardez même au milieu des messages comment on se comporte. Les prédicateurs racontent des mensonges, des faussetés depuis la chair. Ils ont la malice dans leur cœur. Des hommes qui se disent serviteurs de Dieu ont la malice dans leur cœur. Ils racontent des mensonges, des faussetés depuis la chair. Et les gens prennent ça pour la vérité. J'étais avec mon frère Badou, on partait pour pouvoir nous faire, quand il me parlait d'un événement qui a eu lieu une année dans une église où j'étais avec le frère Louis Robert. Et puis, on est arrivé, alors mes frères m'appellent pour dire que voilà ce que le frère dit que j'ai fait. J'ai regardé, j'ai ri. D'abord, je suis arrivé de mission avec mon frère Louis Robert, je ne suis pas parti seul. La première chose à demander, c'est frère, comment s'est passée votre mission?
On ne nous pose pas la question. On me dit, voilà ce que tu vas dire là-bas. Comme si je suis parti seul. Quand j'ai dit, bon, combien René les anciens convoqués qui viennent. Ils sont arrivés. Le frère René, Rémi était là, le frère Jérôme était là, Ali était là. On a pas le problème. Quel a dit, mais toi, tu es un menteur, toi. Ce que tu dis là, c'est faux, c'est du mensonge. Voilà, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Frère, je me dis, c'est ce que tu as dit. Ali dit, mais c'est ce que Badia a dit, c'est ce qu'il a dit. Ce que Frère Badia a dit, c'est ça, là. Il dit, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, comme ça, oh. Mais ça t'empêche, qu'est-ce qui t'empêche de me poser la question et de raconter partout que j'ai fait ça? Encore, depuis l'année jusqu'à maintenant, il raconte la même chose qu'il a toujours raconté. Depuis ce temps, il raconte la même chose qu'il a raconté auparavant. Et de la chèque, quand tu passes à, on va dire, c'est de Dieu. Mais tu mens. Tu ne sais pas ce que tu dis, ça enregistre, ça t'attend. Ça t'attend. Alors, le jour qu'une telle personne meurt, on va faire de grandes campagnes de choses, de funérailles, de veillées et tout. Moi, des morts comme ça, il ne va pas là-bas. On ne peut pas me dire quoi au ciel. On ne peut pas me dire va au ciel. Parce qu'il n'est pas, il ne s'est pas répandu par rapport à quelque chose qu'il a fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, frère. J'ai dit ça quoi là-bas. Je sais que là, il est mort et le pays dans son cœur. Je sais que tu es mort avec un péché dans ton cœur. Et tu ne t'es jamais repenti de ça. Frère, voilà ce que sont les croyants du message. Depuis la chair, on ne dit pas la vérité. Et puis on a la malice dans le cœur. On fait croire une chose qu'on ne pense pas. On fait une chose auquel on ne pense pas. C'est vrai. On raconte des choses qui ne sont pas vraies. Que Dieu ait pitié de nous. On fait bien faire chanter un cantique. Et puis on va demander à Frère Nguessa de nous congédier. Hein? On va chanter un cantique et puis toi nous congédier. Pour revenir tout de suite. On va bloquer le frère, on va manger ensemble. S'il n'a pas un autre programme l'après-midi, on va encore faire la réunion l'après-midi. Voilà. Nous le soir, on va t'accompagner. Vas-y. Son amour est merveilleux. Son amour est merveilleux. Alléluia. Son amour est merveilleux. Vraiment merveilleux. Son amour est merveilleux. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. Oh, l'amour de Dieu est merveilleux. Son amour est merveilleux. Oui, alléluia, son amour est merveilleux. Vraiment merveilleux, son amour. Vraiment merveilleux, son amour. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Merveilleux, l'amour de Dieu. Merveilleux, l'amour de Dieu. Merveilleux, son amour. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. Son amour est merveilleux. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux, son amour est merveilleux. Donc, frère, frère, se lever ensemble et le frère Nguessa va nous congédier.
Prions le Seigneur. Amen, amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que tu manifestes ton amour à notre endroit. Amen. Chaque fois que nous nous réunissons, tu nous parles et tu nous révèles ta parole. Mm-hmm. Merci pour ces paroles que tu nous as adressées. Oh Dieu. Tu nous as révélé comment tu as gardé ton église, Seigneur. Oui, c'est vrai. Depuis 7 ans, alors que l'ennemi a voulu tout détruire, oui, mais tout. Tu as gardé tes enfants. C'est vrai. Tu as gardé le fil jusqu'à ce que nous qui sommes parvenus au temps de la fin, oui, nous soyons vraiment instruits. Amen. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de marcher avec ces paroles révélées, oui, Seigneur. Jésus. De tenir, oh mon Dieu, moral la route, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait la promesse aux vainqueurs. Donne-nous d'être des vainqueurs. Amen. Pour pouvoir hériter ce que tu as oui, fait comme Jésus, promesse pour nous. C'est vrai. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné ce jour comme nourriture, qu'elle soit ancrée dans nos cœurs, oui, pour que nous puissions marcher avec au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bénis ces paroles dans nos cœurs et bénis tout le reste du temps, Seigneur. Bénis également la réunion de ce soir et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit avec vous. À tout à l'heure. On se retrouve à 15h.